Nous allons établir la motivation appropriée qui consiste en trois parties. Le champ de refuge, visualiser tous les bouddhas, les bodhisattvas, en particulier les bouddhas Shakyamuni, sa sainteté, les Dalai Lama, et tous les êtres éveillés tels que Arya Avalokiteshvara, Arya Manjushri, Arya Vajrapani, Arya Maitreya, Arya Tara, Arya Nagarjuna, les bodhisattvas, Arya Deva, Acharya Bhava Viveka, Acharya Chandrakirti, Arya Sangha, Acharya Vasubandhu, Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, la Bodhisattva Shantideva, Bodhisattva Shantarakshita, Acharya Kamalashila, les grands saints comme Saraha, le maître Tilopa, le maître Naropa, Jitsi Marpa, Jitsi Mila, Jitsi Ngambapa, et les grands enseignants, Lama Salimba, et Atisha Dipankara Shri Jnana, et tous les êtres éveillés dans l'espace en face de nous. Et bien que nous ne soyez pas vraiment capables d'identifier chacun d'entre eux, ne vous inquiétez pas, je les mentionne, leur nom sacré, pour vous connecter chacun d'entre nous à tous ces êtres éveillés. Et quand vous allez entendre, vous entendez ces noms aujourd'hui, et par la suite, quand vous allez les entendre à nouveau, cela va faire activer ces empreintes en nous. Et nous allons nous ressentir connectés vis-à-vis d'eux, et nous allons être infusés de sa qualité. Et donc ils sont tellement aimants, tellement affectueux. Le champ de Bodhicitta, visualiser vos deux parents bien-aimés. C'est quelque chose qu'il faut révolutionner dans notre esprit. Ou dans le monde de nos jours, et en particulier parmi les personnes qui ont une éducation moderne, il y a tellement d'amour dans les parents vis-à-vis des enfants, mais pas tellement d'amour de la part des enfants vers leurs parents. Et donc ça, c'est tellement triste, il faut vraiment transformer cela. Il semble que ce soit une norme. Donc c'est ce qu'a dit exactement Charles Darwin. C'est le but, oui, Charles Darwin, qui a parlé de la procréation, c'est de prendre soin des enfants pour que l'espèce continue. Et vos parents vont les oublier. Alors que, s'il y a quelqu'un ici, s'il y a des gens ici dans ce groupe qui prennent soin de vos parents, ça c'est vraiment incroyable, on peut vraiment l'apprécier. Et non, mais cela ne veut pas dire que vous allez oublier vos enfants, bien sûr vos enfants sont si précieux, mais n'oublions pas les parents qui sont également importants et précieux. Et donc on en parlera bien plus par la suite, pendant les classes. Et donc, visualisez vos parents, et vos enfants, et tous les membres de la famille, et tous les animaux, tous les êtres des enfers, les insectes, les prêtas, les devas, les esprits, tous les êtres dans ce monde, dans la Voie lactée, dans l'univers tout entier. Et comment est-ce que nous les visualisons? Nous êtes comme les parents, comme la mère, et ils sont comme nos enfants. Et vous êtes tellement compatissants, tellement affectueux, tellement aimants, jusqu'au point que chacun d'entre eux se sent, tous les êtres, se sent si précieux à vos yeux. Et le but de cela, ne l'oublions pas, le but de cette pratique, c'est le même but dans un contexte séculier et dans un contexte du dharma. C'est la même chose du point de vue séculier.
nous recherchons l'obtention de l'absence totale de peur, se débarrasser de toutes les souffrances, le numéro 1, le numéro 2, c'est obtenir un bonheur infini. Du point de vue du contact, dans le contexte du dharma, on va dire que l'absence de peur, se débarrasser de toutes les peurs, c'est le nirvana. Et obtenir un bonheur infini, c'est l'éveil, l'état de Bouddha, pas pour soi-même, pour le bien de tous les êtres, sans exception. Et donc c'est ce que nous apprendrons aussi plus tard, c'est ce que nous devons étudier ou apprendre. Et comment nous faisons cela? Nous cherchons pour... Nous ne pouvons pas chercher l'éveil à l'extérieur. Et donc le grand maître Arya Nagarjuna, l'étudiant du Bouddha, et Acharya Nagabodhi ont dit l'éveil ne peut pas vous être donné par qui que ce soit. Personne ne peut donner les causes de l'éveil. Vous devez découvrir la graine de l'éveil en vous-même et vous pouvez obtenir l'éveil. C'est la version tibétaine. Et donc, notre but, c'est de d'éveiller la graine de la perfection qui demeure dans notre esprit, dans chacun d'entre nous. Qu'on soit homme, femme, qu'on soit d'Orient ou d'Occident, cela n'a aucune importance, qu'on soit croyant ou pas. Chacun de nous a la graine de la perfection. Notre boulot, c'est de séparer ces natures de Bouddha des souillures mentales. Et comment on le fait? Nous devons connaître la nature de ces souillures mentales. La nature de ces souillures mentales, c'est de voir que leur racine, c'est l'ignorance. Et donc, ça veut dire que l'ignorance, ce qui est généré à partir de l'ignorance, ce sont les voiles afflictifs. C'est ça. Et donc, il y a l'ignorance, et ce qu'elle engendre, les afflictions grossières, c'est ce qui nous empêche d'obtenir le nirvana, ou l'absence de peur totale, et les souillures subtiles qui nous empêchent d'obtenir l'éveil omniscient, le bonheur infini pour nous-mêmes et pour tous les êtres. Et donc, pour se débarrasser de cela, nous devons bien sûr employer une sagesse extrêmement puissante. Cette sagesse qui doit se manifester, qui doit faire manifester la véritable nature de notre esprit. Et donc, grâce à cette nature de l'esprit, nous devrions voir cette réalité ultime telle qu'elle est. Et donc, si on veut obtenir ce niveau de pratique avancée, cela nécessite de la sagesse issue de la méditation. Et donc, elle doit être précédée par la sagesse issue de la réflexion, d'obtenir une conviction par rapport à ce qu'est la réalité ultime, la vacuité, et d'obtenir une conviction dans cette claire lumière sujet qui est le Mahamudra. Et donc, pour obtenir ce niveau de conviction, nous avons besoin d'avoir des études extensives. Et donc, c'est pourquoi le Bouddha a tellement mis l'accent sur le besoin des études extensives, les études du Dharma, l'étude, la réflexion et la méditation. Et donc, il faut étudier de manière systématique. C'est si important. Pas juste, ok, tiens, là, il y a un enseignant qui vient au centre Kalachakra, qui va enseigner pendant une semaine, et puis 2 jours, 10 jours, juste à assister à cela. Cela ne suffira pas, c'est très bien. Bien sûr, pour stimuler votre pratique, mais vous devriez entrer dans des études systématiques. Par exemple, vous avez des programmes, le basic programme que vous avez au centre Kalachakra, par exemple à Paris. Ça, ce sont des choses que nous devons nous engager pour avoir une connaissance systématique. Et de temps en temps, bien sûr, il y a des enseignants qui viennent dans le centre. Et comme vous donnez des 2 jours d'enseignement, 10 jours, etc., cela vous permet d'intégrer tout cela. Quand vous avez étudié, c'est comme ça que nous faisons les choses. Et donc, le but ici de ces pratiques, c'est parce que ce n'est pas pour autre chose que de purifier notre esprit, pour éliminer les souillures de notre esprit, pour que la véritable nature de l'esprit soit manifeste, pour voir la réalité telle qu'elle est. Et donc, imaginez que vous faites cette récitation et que tous les êtres se joignent à nous. Les parents, les enfants et tous les bouddhas, les bouddhas nous observent. Ils sont témoins de cela. Nous allons réciter les strophes, page 3 sur le livret, la première page tout simplement. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les faits fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les faits fausses.
Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Juste en dessous de prendre refuge et régénérer Bodhicitta. Sangye chedan sake choknam la chanju bardo dani kezuji dagi jinzo gyebe choknam ki dora penchir sangye chobarajum. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de mes pratiques de la générosité, etc. Puissais-je accomplir l'état de Bouddha pour le mieux de tous les êtres. Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puissais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puissais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me présente devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieux paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des bodhisattvas et des bouddhas, qui par la connaissance de toutes choses guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui par la connaissance des voies permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui par la possession de l'omniscience aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître Sugata et protecteur, qui motivé par l'altruisme est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet de prolifération conceptuelle et qui est doté des corps divins du vaste et du profond et diffusant pour toujours de nobleur et de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion aujourd'hui en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Om ye dharma e tu prabhava Tum te sham dathaga do yavadat te sham chayo niroda evam vadi mahasramana yeswaha om ye dharma edu prabhava Tum te sham dathaga do yavadat te sham chayo niroda evam vadi vahasramana yeswaha om ye dharma hetu prabhava He tum te jam dathaga do yavadat te sham chayo niroda evam vadi mahasramana yeswaha. Tous ces phénomènes qui adviennent de cause, ces causes sont enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation ainsi par le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, clair lumière, et un composé tel est le drame semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable, perfection de sagesse en essence et cessation de la nature de l'espace. Objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont souffrance, tous les phénomènes sont vides et sans soi. Le nirvana est la paix. Le Guru et le Bouddha, le Guru et le Dharma, de même que le Guru. La Sangha, le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge à le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons.
Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leurs souffrances de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est par ce qui leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. C'est la sauve que nous récitons pour les offrandes de lumière. C'est les parties des quatre attachements. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Ensuite, nous allons faire la louange au Bouddha Shakyamuni. Et donc, quand nous allons réciter cela, c'est quelques lignes. Cette louange au Bouddha Shakyamuni, et donc identifier les qualités du Bouddha, et donc pour examiner ces qualités, ce n'est pas que c'est pour rendre les Bouddhas heureux, ce n'est pas pour cela, ce n'est pas la réalité. Et donc, c'est pour développer, simplement, en faisant ces louanges, pour identifier les qualités. Et le point, c'est que nous allons vraiment nous souvenir de ces qualités. Vous allez vous souvenir, nous allons nous souvenir de ces qualités et voir si nous avons ces qualités au sein de nous. Si vous voyez que j'ai une partie de ces qualités, dans une certaine mesure, certaines qualités, si vous ressentez cela, à ce moment-là, réjouissez-vous. Et voyez comment vous pouvez les développer plus avant. Et si celle-ci vous manque, ne vous inquiétez pas. Le fait que vous ayez découvert ce manque en vous, c'est très très bon, puisque vous allez être inspiré pour les cultiver au sein de vous. Chacun d'entre nous a la graine de ces qualités magnifiques. Il suffit de faire germer ces qualités en nourrissant les graines, les faire germer, et pour voir comment on peut les faire croître. Sur la voie, gâte-gâte-para-gâte-para-sam-gâte-pote-soir. Et donc, c'est comme ça. Les strophes que nous allons dire, quand on dit le suprême en ce monde, quand le Bouddha a dit cela, quand il est né. Pour nous, quand on est, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons qu'une seule chose. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pleurons. Et le Bouddha, lui, quand il est né, il a dit, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous emmener vers la destination suprême. C'est ce que le Bouddha a dit quand il est né. Et donc, ça ne devrait pas être pensé comme « Oh, quelqu'un qui dit « Ah, moi je suis suprême » et pour se vanter, etc. » Ce n'est pas ça, c'est pour dire « Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous soutenir. » Ne vous inquiétez pas. Et donc le Bouddha nous a consolés, nous a donné la protection. C'est la connotation ici. Et donc on devrait se souvenir de ces qualités et voir comment nous pouvons faire de notre mieux pour être utiles aux autres. Au fondateur, destructeur, transcendant nos deux qualités, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable du guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, et vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes.
À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée. Et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse incomparable, je rends hommage. Sauveur la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ des mérites, aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez. Je rends hommage. Par la pureté, délivre de l'attachement, par la vertu, libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui les mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation à vous, assemblée suprême, vous et à la vertu, je rends hommage. Et on passe directement à la page d'après. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement votre son esprit, étaler l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez tous les phénomènes composés par ses mérites. Puisse les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts, puisse-t-il se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Ensuite, le sutra du cœur. Hier, nous avons brièvement parlé des deux clairs lumières, la clairière sujet, la clairière objet. Et donc, le sutra du cœur, ce qu'il mentionne, c'est principalement c'est la clairière lumière objet. Et donc, nous n'allons pas oublier ces trois points. Le premier, c'est en présence du Bouddha, Shariputra, béni par le Bouddha, Shariputra a posé la question à Aryavalokiteshvara. Et en la présence du Bouddha, Aryavalokiteshvara a donné une réponse à et comment toute personne qui recherche l'éveil, comment devrait pratiquer la perfection de la sagesse, Et donc c'est ce qui a été ici enseigné. Et donc cela nous rend, cela fait en sorte qu'on se dit, par exemple, que quelqu'un vous dit, ah, oui, ce ne sont pas des histoires. Il y a des gens qui disent, ah mais faites simplement la méditation sur le souffle, cela vous mènera à l'éveil. C'est la voie ultime, oubliez tout le reste, et c'est tout ce que tout le reste ne fait pas sens. Et il y a plein de gens qui se comportent comme cela. Et ce que nous devrions faire, c'est l'éveil signifie, c'est le Bouddha qui a autorité sur cela. Qu'est-ce que le Bouddha a enseigné en vérité? Par exemple, Aryavalokiteshvara, le Bouddha a endorsé, a pris à son compte ce que a été enseigné par Aryavalokiteshvara et il a confirmé cela. Et donc nous devrions être capables de retracer le chemin, la route. Si par exemple Albert Einstein dit ce qu'il a dit, il ne faut pas être complaisant ou satisfait par rapport à ce que quelqu'un qui connaît un petit peu par rapport à la physique ce qu'il dit. Et donc, après avoir entendu ce qu'il a dit, essayez de retracer la façon dont il a procédé. Albert Einstein pour avoir les mêmes conclusions. Et donc, essayez de suivre les mots originaux de ce qu'a dit le Bouddha. Et donc, pour le sutra du cœur, c'est exactement ce que le Bouddha a confirmé. Quand Aryavalokiteshvara a répondu à la question posée par Shariputra. Et donc, trois choses à garder à l'esprit. La première, c'est que, en la présence du Bouddha, grâce aux bénédictions du Bouddha, Shariputra s'est levé, a fait des prosternations au Bouddha et s'est tourné vers Aryavalokiteshvara et a posé la question, comment un enfant de la lignée devrait pratiquer la perfection de sagesse? Et donc, qu'est-ce qu'on entend par fils de la lignée? Un enfant de la lignée, c'est quelqu'un qui veut obtenir c'est la lignée de l'éveil. Et un enfant de la lignée, par exemple dans le passé, il y a 1000 ans, 2000 ans, et même aujourd'hui, vous avez les lignées, les dynasties royales, par exemple la fils, et même la fille dans certains cas, des rois et des reines, sont considérés comme si importants. Pourquoi? Mais parce que ce jeune enfant, finalement, deviendra le chef de tout le royaume. De l'empire tout entier. Et donc de la même façon,
que c'est quelqu'un qui s'engage à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Cette personne devient si importante comme étant le détenteur de la lignée de l'éveil. Et donc cette personne deviendra Bouddha, chacun d'entre nous. Qui est cette personne? N'importe qui. Qu'on soit homme, femme, cela n'a aucune importance, que ce soit occidental ou oriental, aucune importance, que vous soyez éduqué ou pas, que vous soyez croyant ou pas, n'importe qui fait cet engagement, puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, vous devenez l'enfant de la lignée. Et donc avec cela à l'esprit, on devient un enfant de la lignée, et non, vous avez cette responsabilité. Puis-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres? Comment est-ce qu'on devient un Bouddha? En pratiquant la perfection de sagesse. Et comment on devrait pratiquer la perfection de sagesse? C'est la question. Et toutes ces questions sont données en grand détail sur ce qu'est la vacuité ici. Et bien sûr, dans le Mahamudra, la mudra, c'est d'identifier bien sûr l'esprit d'abord, de reconnaître votre esprit. Au début, la seconde partie du Mahamudra, c'est de voir la vacuité de cet esprit. Et donc, c'est pourquoi la vacuité est enseignée en grand détail ici. Et donc, nous allons voir. Et donc, numéro 2, quelle est la réponse donnée par Avalokiteshvara à Shariputra? Comment devrions pratiquer la sagesse qui réalise la vacuité? Et quels sont les bienfaits ensuite de cette pratique de la sagesse de la vacuité? Avalokiteshvara dit: cette sagesse de la vacuité, c'est la porte d'entrée ultime pour tous les Bouddhas qui voyagent vers l'éveil omniscient. C'est la porte d'entrée ultime. Et donc, avec cela, vous devenez totalement attribué, vous n'avez plus de paix, de peur, pardon. Et vous obtenez la perfection. Et donc, le Bouddha, ensuite, a pris à son compte, il a corroboré ce qu'a dit. Elle est sortie de son samadhi, de sa concentration, et ensuite, bien sûr, un Bouddha a accès aux deux vérités en même temps, la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Et donc, quand il était en absorption méditative, bien sûr, il avait un accès direct à ce qui se passait, au dialogue qui advenait entre Shariputra et Arya Avalokiteshvara. Et ensuite, il a corroboré, il a pris à son compte ce qu'a dit Arya Avalokiteshvara. Et donc, nous allons le réciter ensemble. Le sutra du cœur de la perfection de sagesse. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic de Votou, entouré d'une grande congrégation de moines et une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelés profondes perceptions. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir de Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats eux aussi sont vides. De la vacuité, la forme n'est pas autre que la vacuité n'est pas autre que la forme. De même, la sensation, l'identification des facteurs composés de la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni le cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme ni sensation, ni identification des facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental, de l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination de vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de sagesse et le devant en elle, l'esprit sans voix, les sans peur, et comme ils lui sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de Nirvana. C'est sans appuyer sur la perfection de sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse.
Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhiswaha. Le Bouddha, c'est ainsi que Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: bien, bien, ô fils de la lumière, il en est assis, il en est bien assis. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Shalabhatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras, des Gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Et donc on va passer à la page d'après quand on récite le mantra. Page 31c. Et donc de voir que le mantra, le sutra du cœur s'est développé, s'est tenu dans ce discours entre Shariputra et Arya Avalokiteshvara. Et tous les moines, les bodhisattvas sont là et vous êtes au premier rang de cette assemblée devant le Bouddha. Et sa sainteté de Dalai Lama est Arya Avalokiteshvara, Shariputra. Et vos enfants, tous les êtres autour de vous. Et le Bouddha dit: n'ayez pas peur, venez vers cet état d'absence de peur et de bonheur. Et vers le bonheur. Donc vous êtes tout le monde, vous proclamez le mantra grâce aux bénédictions du Bouddha. C'est ce que le Bouddha, tellement compatissant, a donné cet encouragement à notre égard. Il a dit: ne restez pas dans la souffrance, venez vers l'état de bonheur. Et nous, tous les êtres, tout autour de nous, ils sont tellement inspirés par ce que vous dites. Et donc ils viennent avec vous se joindre à vous dans le voyage vers l'éveil. Et cette voie vers l'éveil est mentionnée ici dans le mantra. Et donc c'est pour se purifier notre esprit. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Jata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Jata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Jata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Jata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Jata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata Jata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvata. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient inexistants, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées. Puis, la multitude des 84 000 obstacles à toi dissipés puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma. Puis, tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puis, le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant.
Ensuite, les 8 versets de l'entraînement de l'esprit. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérais comme plus précieux, plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérais toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Dans toutes mes inconscients, vigilant, dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans votre esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant, accablés par de violentes négativités d'intenses souffrances, je saisirai ces êtres chers, comme si j'avais trouvé un précieux trésor. Si par jalousie d'autres me maltraitent, par des injures, des insultes et autres malveillants, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres, mes mères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances. Sans être contaminé par les souillures des conceptions fausses, des 8 préoccupations mondaines, puis-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement, de l'attachement. Par mes 2 accumulations, il manque une strophe ici. La strophe qui se trouve dans les prières de dédicace, la seconde strophe. Ensuite, la puja en 7 branches. Pour éliminer les négativités et pour accumuler un maximum de mérite. Qui est extraite de la prière d'aspiration royale, extraite de l'aspiration de la pratique de Samantabhadra. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjusri, au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soit-il, qui demeure dans les mondes et des directions à eux tous, sans exception et avec vénération. Par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration et la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha. Je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules. Chacun entouré de bodhisattvas, c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier, rempli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux, célèbre tous les sugatas. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, de lumière divine, de l'encens exquis, tout cela je l'offre victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas, de poudres odorantes, aussi hauts que le mont Meru. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux, mus par une grande foi en la conduite excellente. Je leur rends hommage, je leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous à un. Des mérites des victorieux, des 10 directions, de leur fils spirituel, des réalisateurs solitaires, des auditeurs, sur la voie de l'apprentissage et au-delà. Des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Lumière sur les mondes des directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant de la connaissance sans obstacle. À vous tous, protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Paris, Nirvana, pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore, par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. L'offrande de mandala. Cette terre, ointe de parfums jonchés de fleurs, née du mont Meru, des 4 continents du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sahanje
Puissais-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puissais-je être béni afin que ma pratique du Dharma soit sur la voie correcte. Puissais-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puissais-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que les quatre dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse, de la vacuité qui ne voit pas même un atome des réalités intrinsèques et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionné. Veuillez s'il vous plaît me venir afin que mon continuum mental a débordé de précieuses sagesses de félicité vacuité non duel. Idam guru ratna mandala kaniryatayami. Le fondement de toutes les qualités, c'est la feuille de route vers l'éveil, c'est composé par la main de son karpa. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Veuillez se vouer à lui la base de la voie, veuillez me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces avantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan de Samsara, tous les êtres nommés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer tous ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaiser les distractions envers les objets incorrects et analyser correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voix qui vit le calme mental et la vie profonde. Veuillez me bénir afin que devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je les protège même auprès de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux des sens du Vajrayana. Je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des quatre sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent, jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma. Et par achever les qualités de terres et des voies, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajratara. Le mantra Mixema, donc d'abord en français. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjusri, tout puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son krapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, l'eau sans trapa, j'adresse mes requêtes. C'est oui. Shabla Sawade
kembe wambo jambe ya ka chen kebe etu gen song ka wa lo san ha ve sha Sawade mirme sewede chen cherezi lime kembe wambo jambe Le grand trésor de compassion sans objet, main Dieu, Sri tout puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son Kappa, fleuron des sages, des billets des neiges, au pied de l'eau sans drapa, je dresse mes requêtes. Et donc il y a quatre points principaux. La méditation en un point, ensuite le renoncement, puis Bodhicitta, et la sagesse de la vacuité pour prendre les vœux de Bodhisattva d'aspiration. La focalisation en un point, aujourd'hui, est-ce que je l'ai un peu expliqué? Briefly. Yes. Yes, we did some. Brièvement, non, on n'a pas fait un petit peu hier, un petit peu de méditation, oui? Hier soir. Les personnes qui sont venues hier, est-ce qu'on a fait un peu de méditation ensemble? Non? Ok. Ah, ok. Non. Sorry. Isabelle? Oui, Isabelle? Oui. Est-ce qu'elle a expliqué un petit peu la méditation en un point? Non, on n'a pas fait. Ok. Et donc ça c'est très important. Les personnes qui sont venues le premier jour, vous savez déjà. Et donc ce que nous faisons ici, c'est que nous essayons de devenir Bouddha. Et donc il faut éliminer les souillures mentales. Et comment est-ce que cela fonctionne? C'est que les souillures mentales, pour les éliminer, on devrait employer les contre-mesures, comme vous avez l'obscurité. Pour l'éliminer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éliminer la lumière. Et pour éliminer l'obscurité de l'ignorance, nous devons allumer la lumière de la sagesse. Et donc, qu'est-ce que cette lumière de la sagesse? Elle devrait avoir deux qualités, basiquement, de manière basique. Ces deux qualités, l'une, c'est qu'elle devrait être extrêmement lumineuse. Par exemple, vous voulez lire un livre dans le noir, et donc, si vous avez une lumière qui n'est pas suffisamment lumineuse, ça ne fera pas. Il faut qu'elle soit extrêmement brillante. Et donc, par exemple, la flamme d'une bougie, si elle est tremblotante, elle vacille, et de la même façon, vous ne serez pas capable de lire le livre. Et donc, elle doit être extrêmement stable, extrêmement ferme. De la même façon, la sagesse soit extrêmement aiguë et intelligente. Et elle devrait aussi être très stable et très ferme. L'acuité de la sagesse est déterminée par deux, il y a l'objet et le sujet. Du point de vue du sujet, ça devrait être le plus subtil, qui est la claire lumière sujet. Et aussi, du point de vue de l'objet, c'est la réalité ultime, la vacuité et la stabilité. Pour cela, nous avons besoin de la méditation de Shamatha.
Et par là, au final, c'est cela devrait être appliqué ensemble, la clair lumière sujet, la clair lumière objet, et combiné ensemble avec shamatha. Et donc, c'est requis. Et donc, pour la pratique de shamatha, la focalisation, et donc, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez tous, d'une certaine manière, une introduction à la méditation, mais c'est si important que nous soyons que nous suivions des sources très authentiques pour la méditation. Et donc, parfois on se dit, ah, moi j'ai commencé avec YouTube. Non, ce n'est pas suffisant. Cela pourrait vous mener vers des problèmes extrêmement graves. Et pour cela, c'est pourquoi il doit y avoir quatre choses à garder à l'esprit. La posture pour la focalisation. Pour shamatha, vous avez d'abord la posture physique, c'est si important. Et pour la posture physique, vous avez bien sûr la posture en 7 points de Vairochana. Et la première, c'est les jambes croisées. L'idéal, c'est que votre pied gauche soit sur la jambe droite et inversement. Le pied droit sur la jambe gauche. Et donc ça, c'est les jambes croisées. Ensuite, le dos droit. Si vous avez des problèmes de genoux, bien sûr, il n'y a pas besoin de vous asseoir avec les jambes croisées. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez vous asseoir autrement. Mais le dos droit ne devrait pas être adossé sur un support. Ça, c'est très important. Si vous avez des problèmes de dos, à ce moment-là, vous êtes exempté. Mais sinon, essayez d'avoir le dos le plus droit possible, sans vous adosser. Et la tête est légèrement penchée, et puis les yeux, ça c'est très important, les yeux ne devraient pas être fermés. Ils devraient être mis ouverts, sans vous ignorer tout simplement ce qui se manifeste devant vos yeux. Et pour le souffle, la respiration, n'allez pas le contrôler, ni le discipliner, etc. Laissez-le aller venir. Et donc, la pointe de la langue devrait être contre le palais pour éviter un excès de déglutition. Et puis les mains, donc la main droite sur la main gauche, avec les pouces dans un triangle au niveau du giron. Donc, ensuite, on va faire une méditation très simple. Et donc j'ai indiqué précédemment que Arya Sangha dans le Sravaka Bhumi, le terre des Sravaka, un bref texte dans lequel il enseignait tellement de versions très détaillées sur la méditation. Donc là, nous allons simplement essayer de compter le souffle, la respiration. Et si vous y arrivez, à ce moment-là, vous pouvez ensuite vous diriger, je dirais, à l'un des critères qui sont nécessaires pour qu'on pratique le Mara Mudra. Si vous ne pouvez pas faire d'abord cela, le Mara Mudra, ce sera être extrêmement loin. Et donc d'abord, ce qu'on devrait faire, c'est compter simplement le souffle, inspire, expire, un cycle, inspire, expire, un cycle 2. Et c'est ce que nous allons faire pendant, par exemple ici, nous allons faire ça pendant 5 minutes. Et donc quand vous êtes seul, si vous êtes débutant dans votre méditation, je vous suggérerais de faire simplement 21 cycles, qui est un peu plus d'une minute. Mais la qualité doit être mise en avant. Et là, quand on débute, si vous mettez la qualité d'abord, à ce moment-là, sinon, il y a des grands dangers pour votre attitude et pour votre... Et sinon, vous allez avoir des mauvaises habitudes de faire trop long au début et que le remède se transforme en poison. Et à ce moment-là, il n'y a aucun remède pour vous guérir. Et donc, la méditation que vous allez faire, et donc, dès le début, vous devriez faire en sorte de vous focaliser sur les qualités de la méditation. Et donc, si vous êtes compétent, quand vous comptez les respirations, vous pouvez faire multitâche, vous pouvez vous visualiser un point lumineux blanc qui de 3 mm de diamètre, blanc et lumineux, et vous le visualisez entre la lèvre supérieure et le nez. Et vous focalisez là-dessus, et vous comptez le cycle de la respiration en même temps. Et vous pouvez faire les deux en même temps. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, au bout d'une semaine, là, vous ne pouvez pas simplement dire au bout de quelques jours que vous ne pouvez pas le faire, cela ne suffit pas. Vous pouvez essayer pendant une semaine, deux semaines. Si vous réalisez au bout de deux semaines que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, focalisez sur un seul. Vous êtes prêts?
Donc ça c'est le point 2, c'est le point focal. Ensuite le point 3, c'est identifier les erreurs à la méditation, les erreurs que nous faisons quand nous méditons. Et donc il y a deux erreurs générales. La première c'est le laxisme mental, c'est l'inactivité de l'esprit. Votre esprit est lourd, léthargique, il est sombre à l'intérieur. C'est un problème. Et l'autre, c'est l'hyperactivité de l'esprit, qu'on appelle l'excitation mentale, où votre esprit commence à être distrait, il est dispersé. Et les pensées qui viennent ici et là, c'est l'excitation mentale. Et ce sont les deux erreurs. Si l'une de ces deux devait venir en vous, vous allez au point 4, appliquer les antidotes. Les remèdes, qu'ils soient doubles, l'introspection et l'attention. L'introspection ou la vigilance, c'est garder un regard de temps en temps sur votre esprit pour observer s'il médite ou s'il est en train de roupiller ou s'il est dispersé ou distrait. Et avec l'attention, une fois que vous avez identifié que votre esprit ne médite pas, ou qu'il est distrait, ou qu'il est dans le relâchement, appliquez votre attention. Votre attention rapporte votre esprit vers l'objet de méditation. Vous êtes prêts? On va faire ça pendant 5 minutes.
Ensuite, après les quatre points, donc on a dit la focalisation en un point, c'est le premier point, on l'a fait. Ensuite, le renoncement. La méditation en tant que telle, elle est de deux types. Il y a la focalisation en un point. Et la seconde, c'est la méditation analytique. Deux. Et la focalisation en un point, on l'a faite pour gagner de la stabilité. Ensuite, c'est pour générer l'acuité de l'esprit, l'intelligence. Et pour voir les différents types de les différentes strates de réalité. Et bon, pour cela, nous devons faire la méditation analytique. Et donc, ce que nous faisons, le renoncement bodhisattva, la sagesse de la vacuité, ces trois choses, ce sont toutes de la méditation analytique. Et donc, ce que nous faisons ici, c'est une méditation guidée, ce sera guidé. Et donc, on va essayer de suivre les instructions autant que possible. Et donc, cette méditation que nous faisons là, même si ça peut être assez bref, et donc il est conseillé de ne pas faire trop de corrélations entre ce que je dis et ce que vous avez entendu précédemment. Et donc, si vous faites des corrélations, bien sûr, vous pourrez le faire après la méditation, pas maintenant votre boulot. Ici, c'est d'invoquer l'expérience du mieux que vous pouvez. Vous êtes prêts ? Le renoncement, c'est renoncer aux souffrances, renoncer à toutes les peurs. Renoncer aux souffrances, nous devons savoir comment renoncer aux causes de la souffrance que le Bouddha enseigne. Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, et ne viennent pas comme ça par hasard. Il faut identifier les causes, sinon les souffrances qui sont les résultats ne pourront pas être éliminées. Et comment est-ce qu'on élimine les causes de la souffrance? C'est le mieux, c'est d'éliminer les conceptions fausses. Et il y a quatre conceptions fausses mentionnées par le Bouddha. La première, c'est une conception fausse de considérer les phénomènes impermanents comme permanents, de considérer les impurs comme étant purs, de considérer la souffrance comme étant le bonheur, et de concevoir à tort ce qui est semblable à un rêve comme ayant une existence solidifiée. Donc il faut éliminer l'ignorance. Et donc c'est pourquoi le Bouddha a mentionné tous les impermanents sont, tous les composés sont impermanents. Nous allons penser aux événements magnifiques qui sont arrivés dans votre vie il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ils sont tous comme un rêve, ils sont tous partis. Ce sont de vieux souvenirs. Et ces magnifiques couchers de soleil qu'on a expérimentés, ils sont tous partis. Et tous ces bonheurs, elles sont extrêmement fluctuantes par nature. Elles sont tous parties. C'est ce que le Bouddha a mentionné dans le Vajracchedika Sutra, le Sutra du diamant. Comme une étoile, une aberration visuelle, comme une lampe fluctuante, une illusion, comme une bulle, un nuage, un éclair dans un nuage, tout, voyez, tous les composés comme cela, tous les phénomènes composés sont comme cela. Il y a 200 ans, il y avait des gens exactement qui faisaient comme ce que nous faisons maintenant. Il y avait des gens qui méditaient. Des gens qui méditaient de manière si productive et des personnes qui s'engageaient dans des activités de leur existence. Et les parents avaient tellement d'espoir pour leurs enfants. Et les enfants, les jeunes enfants, qui avaient tellement aussi d'espoir, de plans, de vie, etc. Et maintenant, après 200 ans, où sont ces personnes? Aucune d'entre elles n'est toujours là. Et donc, que leur but se soit accompli ou pas, elles sont tous parties. De la même façon, dans 200 ans à l'avenir, tous les 8 milliards d'êtres humains qui existent maintenant, il est garanti qu'aucun d'entre eux ne demeurera. C'est la réalité. Et tant que les personnes sages, elles pensent, elles sont capables de penser, d'avoir une pensée sincère de la réalité,
Et donc, d'être en accord avec la réalité plutôt que de se cacher la réalité. Et donc, cette impermanence, nous pouvons la voir, par exemple, des villes fantômes, etc. Tout ce qui est déserté, etc., c'est l'impermanence. Cette impermanence, c'est la permanence grossière. C'est si important pour nous de réfléchir à cette impermanence grossière. Et cette impermanence grossière, elle n'est possible que parce qu'il y a des changements qui adviennent de manière continuelle. Quand on voit les changements sur 20, 15, 5 ans, 1 an, etc., cela est possible parce qu'il y a le changement qui advient sur une année après année. Et ce changement que l'on voit sur un an n'est possible que parce qu'il y a des changements qui advient sur les mois après mois, jour après jour. Heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, milliseconde après milliseconde, nanoseconde après nanoseconde. Alors si vous méditez pour réduire cette impermanence depuis les niveaux grossiers jusqu'au niveau le plus subtil, c'est extrêmement effrayant. Toutes les choses composées, on voit leur aspect transitoire. Tous ces changements, à milliseconde, cela ne s'arrête jamais. Nanoseconde après nanoseconde, tous ces phénomènes composés de votre cœur, votre corps, votre esprit, à tous les gens autour de vous, cela va tellement vite. Ces moments momentanés, ces changements momentanés. Et donc si on pourrait ressentir cela, c'est extrêmement effrayant. C'est comme si vous étiez pris, par exemple, dans la gare, vous êtes dans la gare, et quelqu'un, un étranger, vous met dans un train qui va tellement vite. Vous avez toutes ces projections qui surviennent. Alors, qu'est-ce que vous expérimentez? Vous êtes dans un train qui va tellement vite, un étranger vous a mis dans ce train. Et plus le train va vite, et plus vous avez peur. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous ne savez pas où vous allez. Qui est-ce qui décide où va le train? C'est le pilote. Alors, si le pilote est votre père, votre mère, il ne fait aucun doute qu'il va vous emmener vers un lieu de vacances. Mais si le pilote est un terroriste ou qui est sous le joug d'un terroriste, il ne fait aucun doute qu'il vous emmène dans une chambre de torture. Et donc, par exemple, comme les avions qui ont frappé les tours jumelles aux États-Unis il y a plusieurs années en arrière. C'était parce que les terroristes ont contrôlé le pilote. Et donc dans notre cas, que fait le pilote? C'est notre esprit où tout va tellement vite, et le monde va tellement vite. Et dans notre cas, le pilote n'est rien d'autre que notre esprit. Et hélas, notre esprit est sous le coup des terroristes, de deux démons. Les contaminations de l'esprit, l'ignorance qui se dit à soi, qui est associé à l'égocentrisme. Et tant que nous serons sous le pouvoir de ces deux, la saisie qui saisit, l'ignorance qui saisit un soi, l'égocentrisme, il n'y aura que les souffrances encore et encore. C'est pourquoi le Bouddha mentionnait tous les contaminations de la nature de la souffrance. Quel type de souffrance? La vieillesse, la maladie, la tension, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, la confusion, la douleur de perdre nos proches. Et c'est parce que nous avons toutes ces expériences. On sera tous d'accord sur le fait qu'un seul moment de ces douleurs intenses, le fait de perdre quelqu'un, est suffisant pour remettre en question toutes les expériences plaisantes du passé. Les fêtes d'anniversaire, les événements, etc. Tout, c'est tellement trivial et tellement superficiel et tellement insensé, tellement dénué de sens. Et c'est la réalité du samsara. Est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir? Oui, c'est très vrai. Et donc, quand cela va s'arrêter? Par exemple, est-ce que c'est comme l'année 2021? Elle s'est arrêtée toute seule? Non, ce n'est pas comme ça. L'impermanence est de trois types. La première, le continuum, qui invariablement s'arrête de lui-même, sans avoir besoin de facteurs extérieurs, par exemple. Votre jeunesse,
personne ne vous a obligé à arrêter d'être jeune. Par exemple, les bonheurs passés sont tous passés. 2021 est partie d'elle-même, de son propre côté. Et par rapport aux souffrances, les souffrances sont des phénomènes impermanents dont le continuum ne vont jamais s'arrêter si vous ne faites pas, si vous ne fournissez pas d'efforts pour les arrêter. Et vous avez des phénomènes impermanents qui continuent encore et encore. Votre esprit, votre personne, le temps, cela n'arrivera jamais à son terme. Et maintenant mes souffrances, toutes ces expériences de douleur dans ma vie, bien sûr, elles appartiennent à la troisième catégorie. Le continuum des souffrances récurrentes ne viendra jamais à son terme, à moins que nous fournissions des efforts pour faire cela. Quel type d'efforts? Si nous fournissons des efforts, elles seront stoppées. Par exemple, les souffrances du prince Siddhartha, elles se sont stoppées parce qu'il a passé 6 années à fournir des efforts intenses dans la méditation. C'est la sagesse de la vacuité, par la force de la bodhicitta. Mais sans ces efforts, cela ne viendra jamais à son terme de lui-même. Et donc, quel type d'efforts sont nécessaires? Nous avons besoin de la contre-mesure, l'antidote pour éliminer la racine de toute souffrance. Quelle est la racine de cette souffrance? L'ignorance qui saisit un soi. Et donc, quel est le remède pour éliminer cette ignorance? C'est la sagesse. Quelle suite de sagesse? La sagesse, par définition, c'est un esprit qui discerne et dont le mode d'appréhension est en accord avec la réalité. Quelle est la réalité? La réalité, c'est ce que le Bouddha a mentionné dans le troisième sceau. Tout est de la nature de la vacuité du non-soi. Qu'est-ce que c'est la vacuité? On va essayer de méditer brièvement sur la vacuité. Cela sera une méditation guidée. Si vous n'avez jamais été introduit à la vacuité, ça risque d'être un petit peu confus, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on doit commencer. Essayez simplement de suivre les instructions. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Et qu'est-ce que me fait mon corps dans la posture méditative? Comment est-ce que cette personne qui est vous-même, comment est-ce que qui est identifiée comme étant je, vous apparaît-elle? Elle apparaît? Est-ce qu'elle apparaît comme un rêve que votre esprit projette ou pas comme un rêve, comme étant seulement solide là, qui n'a rien à voir avec mon esprit? D'une certaine manière, cela semble exister de son propre côté, du côté de l'objet. Cette croyance, c'est la saisie ignorante d'un soi, de croire que le soi existe de manière si objectivement réelle, là, qui n'a rien à voir avec l'esprit. Comment est-ce qu'on sait que c'est l'ignorance? Pour savoir cela, souvenez-vous de ce qu'a dit Aryanagarjuna. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? De la même façon, si le soi, le je qui est identifié comme étant ma personne, moi, existait de manière objectivement réelle, on devrait le voir à fur et à mesure qu'on se rapproche, on va essayer de se rapprocher de l'objet. On va aller au-delà de ce qu'on voit comme étant le joueur au travers de l'esprit conventionnel. On va essayer d'avoir une analyse ultime qui se rapproche de l'objet. Et donc, on soumet le soi à l'analyse ultime. On va essayer d'ignorer tous ces phénomènes qui ne sont pas le soi, et qui ne sont pas le soi existant de manière objective. Et donc, pour cela, nous allons nous rapprocher de l'objet. Et donc, nous allons nous rapprocher de l'objet. Nous allons voir, par exemple, la peau. Bien sûr, ce n'est pas moi. Ensuite, derrière cela, il y a les tissus lymphatiques. Non, ce n'est pas moi. Derrière cela, les muscles, les cartilages, les os, tout le squelette. Le cœur, les poumons, le foie, les reins, etc., l'estomac, les intestins. Aucune de ces parties solides n'est moi. Toutes ces parties solides sont l'élément terre, l'élément solidité. Donc ce n'est pas le soi intrinsèquement réel. Et donc si ces parties solides ne sont pas le soi objectif,
Qu'en est-il de l'élément eau? Les 4 litres d'eau qui parcourent encore et encore le corps. Bien sûr, ce n'est pas moi. L'élément eau n'est pas moi. Ensuite, l'élément feu. Les 2500 joules d'énergie dans notre corps. Bien sûr, ce n'est pas moi. Mettez-le de côté. Et l'élément air, les 4,6 litres d'air que nous inspirons, dans les poumons. Bien sûr, ce n'est pas moi. Et l'espace, 99,9% de notre corps, c'est de l'espace du vide. Et moi, je suis une personne qui n'est pas de la nature du vide. Donc bien sûr, ce n'est pas moi. Alors qu'est-ce qui reste? La conscience, l'esprit. Et donc l'élément conscience, ce n'est pas moi. Moi, je suis un homme, je suis une femme, etc. Et donc le genre est déterminé en dépendance du corps et pas en dépendance de l'esprit. Et non, mais j'ai un genre. Et donc l'esprit n'a pas de genre. Et donc ce n'est pas moi. Et aussi les gens à une certaine distance peuvent me voir, mais ne peuvent pas voir mon esprit. Et donc c'est une claire indication que mon esprit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le soi. Et non, qu'est-ce que vous voyez? Quand le soi est soumis à l'analyse ultime, on voit simplement les 6 éléments. Et non, s'il y avait quelque chose qui serait le soi, soit ce serait intrinsèquement, soit ce serait un avec les 6 éléments qui serait identifié avec le soi, soit il serait différent de ces éléments. Qu'est-ce qui est vrai? Aucune de ces options n'est vraie. Le soi intrinsèquement réel ne peut pas être un, intrinsèquement un avec les 6 éléments. Elle ne peut pas être intrinsèquement différent de ces 6 éléments. Il n'y a rien qui puisse être identifié comme étant le soi. Alors vous êtes rapproché de l'objet. Où est le soi? Vous êtes rapproché de l'objet. Rien, ou nulle part, rien ne peut être identifié comme étant le soi objectif. Il se dissout, demeurer dans cette expérience pendant un temps. Et cette expérience qui voit que le soi est vide, cela ne veut pas dire que la personne n'existe pas. Le soi conventionnel existe au travers de l'analyse conventionnelle. Mais ce que nous avons trouvé ici, le soi qui s'est dissous, le soi qui est vide, c'est celui qui a été soumis à l'analyse ultime. Le soi qui est vide au regard de l'analyse ultime, ça ne veut pas dire que la personne n'existe pas. Ça veut dire que le soi ou la personne n'existe pas de manière objective. Le soi objectif, c'est ça qui est, n'existe pas. C'est ça qui est trouvé comme étant non existant. Et donc, le soi, essayez de demeurer dans cette expérience pendant un temps. Ça, c'est une expérience extrêmement profonde. Mais quels sont les bienfaits de cette méditation? Oui, de la même façon que le soi se dissout, regardez l'analyse ultime, de la même façon toutes vos peines, toutes vos souffrances, de la même façon vous les soumettez à l'analyse ultime, elles se dissolvent, vos peines se dissolvent, vont être transcendées, les peines. C'est la paix absolue qui se fait jour en vous. Et voir que ce soi se dissout, toutes les peines se dissolvent, c'est ce qui est connu comme étant le nirvana. Dans l'expérience de la vacuité, les peines se dissolvent. Cette expérience, c'est la version la plus raffinée du nirvana. Et aspirer, désirer, obtenir cet état de vacuité, cette expérience de vacuité dans laquelle toutes les peines sont transcendées, c'est la version la plus raffinée de renoncement, demeurer dans cette aspiration. Puis-je obtenir cette expérience de la vacuité dans laquelle toutes mes peines sont transcendées, demeurer dans cette expérience pendant un temps. C'est la version la plus raffinée du renoncement. Sortez lentement de cette méditation du renoncement et on va simplement faire une petite pause quelques secondes avant d'entrer dans la pratique de Bodhicitta. Prêt?
Et donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va faire les deux incommensurables. Quand vous êtes seul, vous pouvez... Il est recommandé que vous fassiez un développement de bodhicitta en accord avec l'une ou l'autre des méthodes. Et donc, bien sûr, cela dépend de vous. Si vous pouvez faire l'une ou l'autre, les deux, ou vous pouvez alterner entre les deux, chaque jour. Il y a ces deux méthodes. La première, c'est la méthode septuple, des six causes en effet, pour développer l'histoire, et l'autre, c'est l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Ces deux méthodes. Et ces deux sont si, si précieuses. Je me souviens de ce que Sassantater avait enseigné à l'initiation de Chakrasamvara et Rukha, Sri Chakrasamvara, les initiations qu'elle a données récemment. Et à la fin des enseignements, sa sainteté a dit, si vous me considérez comme votre guru spirituel, votre maître spirituel, vous devrez pratiquer Bodhisattva et la sagesse de la vacuité. Et c'est ce qui nous qualifie. Pour vous, je dirais que ces deux méthodes, vous devriez apprendre dans ces deux méthodes, la méthode septuple, de s'y causer en effet, et l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, vous devez étudier les deux, et les pratiquer. Et ici, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, bien sûr, et nous sommes ensemble, donc d'habitude on fait les quatre incommensurables, et on prend les vœux de bodhisattva de l'inspiration. On génère cet état d'esprit de bodhisattva. Et pour les quatre incommensurables, là bien sûr, aujourd'hui nous ferons simplement les deux premiers, et à partir de demain, si on a plus de temps, on aura plus de temps pour faire les quatre après. Il ne fait aucun doute que pour de nombreux d'entre nous, ce sera une pratique très superficielle, parce qu'on ne ressent pas vraiment cela, cet amour inconditionnel. Cela prend beaucoup de temps pour obtenir ce niveau avec ces méthodes. Et donc, si c'est superficiel, ça n'est pas grave. Et on doit le faire de toute façon, exactement comme pour la musique. Quand vous jouez la musique au début, quand vous apprenez la musique au début, c'est très superficiel. Et avec le temps, cela devient réel. Et donc, c'est comme ça qu'on doit pratiquer. Prêt? La compassion incommensurable. Ici, on va faire d'abord la compassion, et ensuite l'amour infini. La compassion infinie. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, vous n'avez pas besoin de lire. Vous n'avez pas besoin de les lire. Simplement, reflétez le sens, réfléchissez au sens, et suivez les instructions simplement, sans avoir besoin de lire le texte. Faites-le mentalement. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Les causes de la souffrance étant principalement l'ignorance qui saisit à soi et l'égocentrisme. Et les résultats de cela, que sont les afflictions très grossières, les karmas contaminés et les souillures subtiles. Puissent tous les êtres, mes chères mères, être libres de la souffrance et de causer la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas sont témoins de votre engagement tellement courageux. Exactement comme la mère qui, après toutes ces années d'épreuves, voit son enfant aîné qui a 12 ans, par exemple sa fille qui a 12 ans, son fils, etc., et qui dit à sa mère, « Maman, tu as sacrifié tout pour nous, tu nous as tellement aimés, tu as tout donné pour nous, et maintenant que nous avons grandi, je prendrai soin de toi, je prendrai soin de ta maladie, etc. Prends du repos. » Et la mère ne croit pas ses oreilles et ses yeux. Il y a une joie immense, des larmes de joie. Et c'est exactement ce qui advient chez les Bouddhas et les Bodhisattvas qui vous sont tellement fiers et heureux de voir que vous ayez cet engagement si courageux. Et ils invoquent de leur esprit compatissant et omniscient des nectars lumineux qui se dirigent vers tous les êtres vous-mêmes et qui vous soulagent au moindre contact en vous et en tous les êtres, élimine toutes les souffrances, les causes de la souffrance, en vous-même et tous les êtres.
Et vous, vous êtes témoin de ce miracle, de ce qui se passe chez tous les êtres. Vous êtes tellement heureux, vous prenez 3 soupirs de soulagement. Ensuite, l'amour bienveillant infini. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chers mères, étaient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les causes du bonheur étant principalement l'état d'esprit le plus intrépide de la seule vacuité. Et l'état d'esprit de Bodhicitta. Puissent tous les êtres, mes chers mères, être associés au bonheur et aux causes du bonheur. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, soient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les Bouddhas et Bodhisattvas qui sont témoins de ce courage en vous sont tellement fiers de vous et ils invoquent de leur esprit omniscient et compatissant ces nectars lumineux qui soulagent tous les êtres et vous-même et au moindre contact avec eux et vous infusent le bonheur et les causes du bonheur en vous tous et tous les êtres. Et vous êtes témoin de cela, de ce qui se passe dans les êtres et vous-même. Vous êtes tellement heureux et vous prenez 3 soupirs de soulagement. Et donc, on souligne à nouveau cet amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres, les mères. Demeurez dans cet amour inconditionnel. Avec cet amour inconditionnel, les mains jointes, nous allons développer cet engagement de Bodhicitta. 3 fois ensemble. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères? Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères? Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères? Demeurez dans cette expérience, l'état d'esprit le plus merveilleux, le plus beau de tout cet univers. Transformez lentement cet esprit magnifique de Bodhicitta en un disque de lune immaculé et lumineux qui demeure horizontal à votre cœur. C'est incroyable que vous ayez fait cet engagement de devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Mais comment allons-nous faire? On peut presser autant comme autant une poignée de sable, l'huile ne viendra pas. Bien sûr, c'est vrai, mais je ne suis pas comme une poignée de sable, je suis comme une poignée de graines de tournesol. Donc j'ai la nature de Bouddha au sein de moi, et en mettant des efforts, cette nature de Bouddha peut devenir manifeste. Comment est-ce qu'elle n'a pas été manifestée jusqu'à maintenant, depuis des temps sans commencement? C'est vrai, parce que j'ai été déçu, trompé par les 2 démons, l'ignorance et l'égocentrisme. Aujourd'hui, je suis désenchanté vis-à-vis d'eux et je vais tout faire pour les détruire. Je ferai tout ce que je pourrai, tous mes efforts, pour exterminer ces 2 démons. Quel type d'effort? Par les remèdes extrêmement puissants comme la sagesse de la vacuité, non-duel et la bodhisattva. Et des bodhisattvas. Donc nous allons essayer de nous souvenir de cette méditation sur la vacuité que nous avons fait avec le 3e saut. Qu'est-ce que je fais? Je médite.
Et comment est-ce que cette personne m'apparaît-elle comme étant un rêve projeté par mon esprit ou comme étant objectivement réel qui n'a rien à voir avec mon esprit? Oui, cela apparaît comme si c'était tellement réel. C'est l'ignorance qui se tient à soi. Et comment est-ce que je sais que c'est faux? Et comment je peux l'éliminer avec la sagesse de la vacuité? Soumettez ce soir à l'analyse ultime. S'il existait la manière de la façon dont il apparaît, il devrait être trouvé à l'essai d'une analyse ultime qui se rapproche de l'objet pour voir si elle existe, si ce soir existe. Et on se rapproche de l'objet, qu'est-ce qu'on voit? Les six éléments, l'élémentaire, l'eau, le feu, l'air, l'espace et la conscience. Lequel de ces éléments serait identifié comme étant le soi objectivement réel? Aucun. Aucun. Et donc, vous voyez, si ce soi serait intrinsèquement différent des éléments, éliminez les six éléments. Où est le soi? Qu'est-ce qui demeure là? Rien ne demeure ici qui serait identifié comme étant le soi. Et donc, vous avez une idée plus claire. Aucun des éléments ne serait identifié comme étant le soi intrinsèque et ne serait pas non plus intrinsèquement différent de ces éléments. Où est le soi maintenant? Ce soi objectivement réel n'est nulle part. Il est totalement vide. Demeurer dans cette expérience de la vacuité. L'état d'esprit le plus intrépide, absence dénuée de peur. Transformer lentement cette sagesse de la vacuité en un vajra blanc lumineux qui demeure vertical au centre du disque de lune à notre cœur. Et maintenant, nous avons les deux bodhicittas. La bodhicitta, la lune, symbolise la bodhicitta conventionnelle qui extermine l'égocentrisme. Et le vajra symbolise la bodhicitta ultime qui extermine l'ignorance qui saisit en soi. Et les afflictions et les souillures subtiles. Tous les voiles qui nous faisaient expérimenter et ensuite, grâce à ces deux, cela nous permet d'obtenir l'éveil omniscient. Et n'oublions pas qu'il y a tous les êtres, nos chères mères, sont autour de nous, elles souffrent. Et avec une compassion immense vis-à-vis de tous les êtres, nos mères, cette compassion fait en sorte que le disque de l'unité de Vajra à notre cœur se démultiplie à l'infini. Et il y a un ensemble qui se dépose dans le cœur de notre mère, un dans le cœur de notre père, un dans chacun de nos enfants, un dans chacun des êtres conscients ici, à Saint-Côme, dans le centre Kalachakra, et dans, en France, puis dans le monde, dans la Voie lactée, dans l'univers tout entier. Chacun des êtres conscients possède le disque de lune et le vajra que vous avez partagé avec eux. Et c'est tellement bon, vis-à-vis de tous les êtres, n'oubliez pas que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas nous observent. Pourquoi ne pas les inviter, les Bouddhas et les Bodhisattvas, à être les témoins de notre engagement à prendre les vœux des Bodhisattvas d'aspiration et pour leur demander d'être nos témoins, nous allons, nous et tous les êtres, faire les prosternations devant eux. Okay. Except for those who have knee problems, leg problems.
À l'exception des personnes qui ont des problèmes de genoux, si vous pouvez être agenouillé sur le genou droit, c'est bien. Pour prendre les vœux de Bodhisattva d'aspiration. Donc sur le genou droit, si vous pouvez. Si vous avez des problèmes de genoux, des problèmes de dos, c'est ok, vous pouvez simplement vous asseoir habituellement. Et donc, c'est là où nous allons prendre les vœux de Bodhisattva d'aspiration. Et pour cela, nous allons réciter, il n'y a pas d'engagement spécifique. Les engagements que nous allons avoir, c'est se dire, je vais faire de mon mieux pour être utile, bon, vis-à-vis des autres. Si ce n'est pas le cas, au moins, je m'abstiendrai de leur nuire. Si vous pouvez vous engager à cela, c'est déjà ok pour prendre les vœux de Bodhisattva d'aspiration. Et donc, comme le Bouddha a mentionné, un moment de pratique de compassion et surpasse de loin l'offrande de l'univers tout entier rempli de joyaux à tous les Bouddhas et les Bouddhas. Et donc le Bouddha a clairement indiqué que c'était d'un bienfait immense. Et c'est un facteur majeur, bien sûr, pour développer Bodhicitta et pratiquer cela. Et donc là, on est sur la page où il y a le disque de Vajra, le disque de lune, là où il y a le dessin. Le Vajra, le disque de lune, sur cette page-là, juste en dessous, il y a des strophes. Et donc nous allons renforcer notre visualisation du Bodhisattva en face de nous, et nos parents, nos enfants, tous les êtres, nos chères mères, tout autour de nous. Imaginez que tout, depuis des temps sans commencement, nous sommes engagés dans des négativités, les Bodhisattva, les Bouddhas se sentaient tellement tristes, mais aujourd'hui vous faites quelque chose de tellement spécial. Imaginez que vous êtes comme un enfant qui est à 5 ou 6 ans et qui, pour la première fois de votre vie, vous faites un spectacle à l'école. Et vos parents sont tellement fiers, les Bodhisattvas sont tellement fiers de vous et les parents. Ils ont tout quitté, leurs travaux, etc., pour venir dans l'auditoire. Et pour vous dire, pour vous témoigner à quel point elles sont là, elles vous soutiennent, elles sont tellement fiers de vous. Et de la même façon, ici, les Bodhisattva sont comme nos parents. Et non seulement vous allez prendre les vœux de Bodhisattva d'aspiration, mais en plus vous encouragez tous les êtres, les chères mères, à se joindre à vous. Et donc, comme un enfant aîné qui prend soin de ses frères et sœurs pour faire quelque chose de bien. Et donc avec cela à l'esprit, nous allons réciter les strophes ensemble que nous avons déjà expliquées hier. Et essayez de faire de votre mieux pour refléter le sens, c'est tellement important. La première strophe ensemble. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Guru Buddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Buddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Buddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Et nous ressentons la joie d'avoir reçu les vœux de Bodhisattva d'aspiration. Vous êtes si fortunés, et c'est tellement méritoire. Et donc, cet acte rend les Bodhisattva tellement fiers et heureux, comme la mère, après toutes ces années où elle a entendu des plaintes sur son fils ou sa fille, du principal de l'école, et imaginez que, pour une fois, cette fois-ci, il vient, le directeur de l'école et la mère, et appréhende de ce qu'il va dire. Et là, c'est tellement différent.
Le directeur dit, c'est pour vous dire que votre enfant était le meilleur à l'école cette année. Et ça, votre mère n'en croit pas ses oreilles et ses yeux. C'est incroyable, c'est exactement comme cela que se sentent les Bouddhas de Bodhisattva. Ils sont tellement fiers de vous que vous prenez le vœu de Bodhisattva d'inspiration. Et c'est cette grande joie que les Bouddhas de Bodhisattva ressentent. Cela invoque de leur cœur un disque de lune et un vajra qui s'est démultiplié à l'infini. Et comme une pluie diluvienne, les ensembles de disques de lune et de vajra viennent rejoindre ceux que vous avez dans votre cœur, l'événement duel est sans stabiliser et béni. Et de la façon, tous ces innombrables ensembles de lune et de vajra se démultiplient à l'infini, et comme une pluie diluvienne viennent rejoindre ceux qui se trouvent dans le cœur de votre mère, de votre père, non, chacun de vos enfants, et tous les êtres, sans exception, ici à Saint-Côme, au centre de la circulation, les êtres humains, les animaux, les insectes, les êtres, les enfers, les prêtas, les esprits, les devas, et chacun en France, dans le monde tout entier, dans la Voie lactée, dans l'univers tout entier. Et ils deviennent non-duels avec ceux qui sont dans leur cœur respectif. Ils sont stabilisés, ils sont bénis. Et c'est si précieux. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez imaginer. Donner à offrir aux êtres, à tous les êtres, nos chères mères. C'est, vous l'avez fait aujourd'hui. Et c'est la meilleure de toutes les offrandes que vous puissiez faire, la plus belle des offrandes de votre pratique, de compassion et de bodhicitta. Et aujourd'hui, vous l'offrez à tous les Bouddhas et Bodhisattva. Et pour, c'est le sens le plus élevé qu'on puisse avoir dans la vie. Et vous avez donné un sens à votre existence. Et c'est si précieux. Nous sommes extrêmement fortunés. Et cela advient grâce à la bonté de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et non, en témoignage de gratitude à leur égard, à nous-mêmes et tous les êtres, à l'enfer, à trois postulations, à l'égard de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc, page d'après, derrière le dessin. Et donc, en effet, oui, nous sommes très fortunés et très chanceux d'avoir cette opportunité de prendre les vœux de Bodhisattva d'aspiration ensemble dans cette vie. Mais qu'adviendra-t-il à l'avenir, dans le cours de nos vies à venir? On devrait faire en sorte que cette chose avec laquelle nous sommes connectés, que même au cours de l'avenir, nous puissions être connectés avec l'aide de Bodhisattva. C'est pourquoi nous avons besoin de ces prières très puissantes. C'est pourquoi nous les incluons sous la forme de ces strophes ici. Et nous allons réciter la première ensemble, trois fois. Au cours de mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux précieuses Bodhisattva même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux précieuses Bodhisattva même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puisse-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puisse-je maintenir les deux précieuses Bodhisattva même au prix de ma vie. Et ensuite, pour une fois qu'on est connecté avec cela, ces enseignements sur les deux Bodhisattva, comment faire en sorte que nous nous engagions de manière rigoureuse dans ces pratiques à l'avenir? Parce que parfois, on
on rencontre le dharma, mais on n'est pas vraiment, on ne trouve pas, on doit trouver de la joie en cela. Il y a des gens qui sont connectés avec le dharma et qui s'engagent de manière rigoureuse dans les pratiques et qui suivent la voie tellement rapidement, gâté, ça vient si vite. Et donc tout cela est déterminé par votre sentiment de joie vis-à-vis de ces pratiques. Et donc bien sûr, toutes ces strophes ici sont extraites du texte du Bodhisattva Shantideva pour ressentir la joie d'avoir reçu le Bodhisattva d'aspiration. Voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié. J'ai obtenu les précieuses existences humaines. Aujourd'hui, je suis dans la famille des Bouddhas. Je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille. Jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil. Un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort, dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre, invitant au repos ceux errants, fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le cœur quintessentiel produit quand le lait du dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence, les êtres errants, hôtes désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême menant la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain, que Dieu, demi-dieu, tous soient heureux. Donc nous allons dédier tous les mérites que nous avons accumulés. Nous avons accumulé tellement de mérites et de vertus. Nous allons les dédier à la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama, la source authentique de joie et de bonheur en ce monde. Qu'il vive longtemps et que ses souhaits soient spontanément accomplis. Et dédions les mérites ainsi accumulés. Que tous les grands enseignants des grandes universités monastiques, comme Ganden Sera Debong et des traditions chinoises, des traditions tibétaines, et Sakya, Kagyu, Nyingma, Gelo, que toutes ces traditions ou ces enseignements, les études, la réflexion et la méditation sur les Bodhisattvas surviennent, puisque leurs activités fleurissent. Et nous prions aussi que tous les érudits, les pratiquants, qu'ils aient dans la pratique, dans la sangha monastique, toutes leurs ressources, etc., soient développées pour qu'ils puissent effectuer leur pratique dharma. Et prions aussi que les centres dharma, tels que le centre Kalachakra, fleurissent dans leurs activités. Et les personnes qui travaillent dans ces centres, qu'ils puissent avoir une bonne santé, une bonne longue vie, et que leur pratique dharma soit remplie de succès. Et puissent les enseignements de la Bodhisattva, de la vacuité, se répandre dans toutes les directions, dans tout l'univers. Et nous allons, avec cela, l'esprit, nous allons réciter les prières de dédicace. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières des Bouddhas, des Bodhisattvas des trois temps, et au maintien du Dharma, des écritures et de réalisation. Puissage au cours de toutes nos existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des quatre cycles de Mariana. Et puissage accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhicitta, la vie parfaite et les deux phases. Par les deux accumulations, aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dans l'esprit de sagesse et aveuglé par l'ignorance. Et ici, il y a la mention. Puissais-je, dans toutes mes existences, par la force de ses mérites, n'être jamais séparé des quatre cycles du Mariana. Les quatre cycles du Mariana, c'est dans une note à la fin du texte en anglais. Et les personnes qui étaient là au début des enseignements, vous le savez, et les personnes qui sont venues hier, je vais simplement l'expliquer très brièvement ce que sont les quatre cycles du Mariana. Pour une pratique du dharma, ce dont nous avons besoin, c'est d'abord de rencontrer des enseignements du Mariana qui sont extrêmement authentiques.
Alors pour nous, ça peut être Sainte Thérèse du Dalai Lama, par exemple. Et la plupart d'entre nous, bien sûr, avant de rencontrer Lama Sopa Lepoche, moi j'ai rencontré d'immenses maîtres, d'innombrables maîtres. Et donc, et nous avons besoin de ces enseignants authentiques, des enseignements du Mariana pour cela. Et ensuite, nous avons besoin d'un environnement. Donc d'abord les enseignants, ensuite l'environnement. Par exemple, vous qui êtes proche du centre Kala Chakra à Paris, c'est aussi extrêmement important cet environnement, c'est le point numéro 2 pour rencontrer un environnement approprié. Ensuite, le numéro 3, c'est que pour que cela advienne, par exemple, on a besoin de construire un centre magnifique, et donc pour cela nous avons besoin de ressources. Et donc les ressources pour la prochaine existence, ce sont les mérites. Et vous priez, vous construisez l'aspiration, puis c'est accumuler autant de mérites dans cette existence que possible. Et avec ces mérites, vous pourriez avoir des ressources immenses. Et donc, c'est pourquoi faire. Je veux aller à la plage, puis à la plage, puis dans cet hôtel, puis dans cet hôtel, et là, il ne reste plus rien dans vos mains. C'est juste une perte de temps. Vous pouvez terminer toutes ces ressources sans aucun but. Alors qu'il y a des gens, quand ils ont des ressources, ils se disent, oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec cela? Ça, je vais l'utiliser pour la santé, pour la culture, etc. Et donc, on oriente, on distribue, on consacre ces ressources. C'est la dédicace qui permet de faire cela, vos aspirations. Pour un but spécifique, les dédicaces ne devraient pas être négligées. Et donc, elles devraient être appropriées. Et donc, tous les mérites et dédiés à les vertus de manière appropriée. Donc, ces deux choses ici, les aspirations pour reprendre naissance avec une précieuse existence humaine, où nous rencontrons le Dharma avec des bons enseignants et un bon environnement, et pratiquer les deux bodhicitta pour aider tous les êtres. Ce sont les quatre cycles du Mahayana. Rencontrer des enseignants du Mahayana authentiques. Ensuite, avoir un environnement correct, approprié pour pratiquer le Dharma correctement. Ensuite, trois, l'accumulation de mérites suffisants, d'innombrables mérites. Et ensuite, que votre esprit soit toujours entraîné à s'orienter vers la direction, diriger les mérites dans la direction appropriée de rencontrer le Dharma, de pratiquer le Dharma, etc. Yata om gate gate aragate arasangate bodhisvaha tadyata om gate gate aragate arasangate bodhisvaha tadyata om gate gate aragate arasangate bodhisvaha. Trois prosternations ensemble et nous reviendrons à 9h15.